Bon, je m'appelle Mohamed et je viens de la Tunisie. J'ai 25 ans. Je suis en service volontaire européen à l'MGC de Quintin et le lycée Jean Monnet, lycée professionnel Jean Monnet. À la base, je suis un ingénieur en mécanique et aussi je suis un formateur du théâtre forum ou bien théâtre de l'opprimé. C'est un outil de débat plus qu'un outil artistique. Donc on utilise l'artistique pour créer un débat. L'objectif, c'est qu'on crée un débat pour que les spectateurs ils réagissent sur des images ou bien des forums qu'on crée dans notre spectacle. C'est un outil de faire réagir les gens pour prendre une position, pour parler, pour exprimer sur des thématiques comme le racisme, comme la discrimination, le harcèlement. Je travaille maintenant sur ce projet-là à Quintin. C'est avec une association qui s'appelle Koaïla pour les immigrants, avec les jeunes de l'MGC de Quintin, avec les élèves du Collège Volozène, du lycée professionnel Jean Monnet, et avec aussi chaque établissement, on crée un spectacle. Et après, on trouve un temps fort pour présenter notre spectacle, où on peut faire dans la rue ou bien dans l'MGC. Je fais aussi, ça marche bien à l'MGC du plateau, parce que je fais l'appui ici au Vendredi solidaire. Pour faire le théâtre forum aussi, on prépare des spectacles ici. Et l'idée que aussi on fait un spectacle dans la rue à Saint-Brieuc avec les immigrants, avec les services volontaires européens, les autres services volontaires européens. Et ça marche bien. Oui. Parfois, il y a des difficultés parce qu'à Quintin, c'est une campagne. Je l'aime trop, la vie là-bas, mais au week-end, parfois, je me trouve que je suis un petit peu isolé. Donc, j'essaie chaque week-end de rejoindre les autres volontaires qui habitent à Saint-Brieuc pour faire la rencontre, pour parler, pour faire l'échange aussi, parce qu'on est nombreux, les deux sur le Côte d'Armor, et chacun il arrive de son pays. Et chaque fois, on profite pour faire l'échange, quoi, l'interculturel. Et c'est ça qui le motive pour faire le service volontaire européen. Parce que j'ai travaillé dans des projets d'échange interculturel, mais ça dure 10 jours, 15 jours. Mais je trouve que c'est une occasion de 9 mois en France pour rencontrer beaucoup de gens. Et bon, voilà. Et aussi, je prends cette difficulté en côté positif. Parce que le transport, c'est un peu dur de trouver le transport et tout de Quintin à Saint-Brieuc le week-end. Donc, j'utilise les autostops. Et aussi, je trouve que l'autostop, c'est aussi un outil de parler avec les gens.